Salut à tous, c'est Angel038, j'espère que vous allez bien et donc on se retrouve ici pour la dernière étape hein, de cette saison sur F1 2014, donc à Abu Dhabi, sur le circuit de Yas Marina, pour les qualifications. Et donc bah, c'est à l'issue de ce Grand Prix hein, que donc mes carrières sur les jeux de F1 de Codemasters vont arriver à leur terme. Non pas que je ne vais pas faire du F1 2015 du tout, mais dans la mesure où Cédric a commencé une saison sur F1 2015, je ne voyais pas l'intérêt de faire quelque chose en doublant sur la chaîne. Ça vous ferait un petit peu d'overdose de F1 2015, sachant qu'en plus le jeu ne tourne pas formidablement bien sur mon PC, ma carte graphique étant un peu en manque de puissance. Je préfère laisser ma place à Cédric qui va vous proposer une saison qui sera très intéressante, je n'en doute pas, et qui vous plaira certainement entre d'une part de la mise en scène et la qualité de conduite. Pour ma part, hein, je vais vous proposer du GT, donc dans un championnat touring, comme vous avez pu voir sur la vidéo d'introduction que j'ai mis en ligne la semaine dernière. Et donc à ne pas confondre avec le championnat GT hein, que fait Max ou Pilote, hein, dans le touring vous avez les différentes catégories de voitures en grand tourisme qui sont mélangées, du GT3, du GT4, les voitures des voitures plus puissantes aussi. Et donc bah voilà, j'avais envie de changer un petit peu de crèmerie comme on dit, et puis de faire un petit peu autre chose. Donc vous allez avoir un petit peu du GT pendant quelques temps, mais je n'abandonne pas pour autant la F1. Je vous proposerai d'autres petites choses, j'ai des idées, vous verrez d'ici les mois à venir, les semaines à venir en tout cas, ce que je compte faire. Vous découvrirez tout ça, voilà. Donc, je vais de ce pas aller rejoindre la piste pour aller essayer de mettre un chrono tout de suite en Q1. Donc, au niveau des réglages, hein, j'ai pas pris de réglage particulier, je suis toujours dans la même difficulté. Oula! Quelle est cette arrivée en piste? C'est bon, mes vitesses fonctionnent parce que la prise que j'ai fait juste avant, j'ai eu quelques soucis de réglage de volant, puisqu'effectivement la dernière vidéo que j'ai tournée sur F1 2014, je l'ai tournée avec le style series, et donc les réglages du volant n'étaient plus les bons. Et donc j'avais pas les vitesses au volant comme ça devait l'être normalement. Alors que ici il y a Hülkenberg qui sort des stands et qui va légèrement me gêner. On va arriver ici dans la première zone de DRS. Donc on va déjà faire un premier tour hein, pour prendre la température comme on dit. Bien sûr, pour l'instant, mes secteurs sont en violet pour la simple et bonne raison que personne n'a encore rentré de chrono. Ne nous affolons pas, ne crions pas au scandale tout de suite.
Alors que là pour l'instant les chronos sont en train de tomber hein, petit à petit, c'est normal, les voitures les plus puissantes sont en train d'arriver sur la piste. La Magnussen qui vient de prendre la pole pour l'instant provisoire hein, parce que avec sa McLaren, McLaren de l'année dernière hein, qui était quand même un petit peu autre chose malgré ses piètres performances, arriver au moins à être dans le top 10 parfois. Bon, là, de toute façon, je pense que je vais rentrer au stand tranquillement puisque, à mon avis, avec ce chrono, je devrais assez aisément pouvoir accéder à Q2. À la Ferrari qui a un petit regain de puissance là, ici en fin de saison, hein, qui arrivera sur le dernier circuit de la saison. Il aurait fallu qu'elle soit aussi performante dans les sur d'autres circuits au cours de la saison, ça aurait été mieux. Kobayashi qui s'écarte bien ici. Pour me laisser passer. Oula. J'ai oublié de freiner. Mais de toute façon, on va rentrer au stand tranquillement. Voilà, quelque chose faite. Et déjà sixième, hein, on n'a rien de temps. Allez, technicien qui ramène la voiture dans le stand. Et on va laisser passer cette fin de séance en accéléré, puisque je pense qu'il ne devrait pas se passer grand chose. En tout cas, rien d'inquiétant concernant ma place en Q2. Ah oui, on me l'avait dit en plus, et j'ai complètement zappé, c'était de changer le moteur. Du coup, j'ai un moteur handicapé. Ah là 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 là, j'ai complètement oublié pendant les essais libres. J'ai complètement oublié qu'effectivement, j'ai des réparations à chaque fois parce que j'ai le moteur qui est dans les choux. Et ça, c'est assez catastrophique. Parce que voilà, j'ai mon moteur qui est déjà bien entamé. Oh là 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 là. Ça c'est la merde. Bon, tant pis. Ça m'apprendra d'être un peu trop précipité. Mais voilà. Du coup, je vais me récupérer des réparations à chaque fois que je vais rentrer au stand pendant les qualifs, donc bon, tant pis. Donc la séance est terminée, je finis avec le sixième temps, des temps qui sont pas très élevés, vous en conviendrez. Les éliminés sont Kobayashi, Vergne, Ericsson, Chilton, Maldonado et Jules Bianchi. Et on va passer de suite à Q2. Donc Q2, on va partir directement avec les pneus tendres, c'est-à-dire les pneus à flanc jaune. Et on va laisser passer un petit peu de temps, histoire
de voir les chronos un petit peu, comment ça se place. C'est pas très élevé au niveau des chronos, pourtant pas de pluie annoncée, c'est assez étrange. Allez, on va se mettre en piste. Mais de toute façon, je pense que les chronos vont s'améliorer, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ce circuit d'Abu Dhabi que j'affectionne tout particulièrement, puisque c'est vraiment un circuit tracé magnifique, qui a la particularité de se dérouler au coucher de soleil. Pas très causant, je vous laisse apprécier le bruit du moteur parce que je cherche à me concentrer un minimum pour pouvoir de faire le moins de fautes possible, surtout dans ce dernier secteur, ces enchaînements de virages. Hein. Essayer de ménager ce train de pneus, on va pas trop attaquer hein, puisque visiblement c'est la troisième place pour l'instant, ça devrait être suffisant pour passer en Q3. Et puis on va essayer de pas trop tirer sur le moteur parce que tant qu'à faire j'aimerais bien qu'il finisse la course. C'est un tour de rentrée au ralenti. Allez, il reste 3 minutes dans la séance, le temps qu'il me fasse les réparations, c'est ce qui va donner le glas de cette séance, de ce Q2. Puis on va tranquillement se diriger vers Q3, hein, donc qualification qui se passe plutôt bien pour l'instant pour ma part. Hein. Voilà d'ailleurs la séance qui est terminée hein, et qui me permet d'avoir quand même
La troisième place, et on voit des temps toujours autour des 1 minute 50, hein, qui est relativement lent. Je trouve ça assez étrange, bizarrement. On va tranquillement se faire Q3, et puis on va voir au niveau de la course, hein, peut-être qu'il en sera complètement différent. Et donc Q3, on va partir, donc, pas tout de suite, on va attendre un petit peu. On va essayer de le faire en one shot. Voilà, les premiers chronos qui tombent, et là c'est déjà, on a gagné 2 secondes par rapport à Q2. Et le soleil qui va bientôt se coucher sur le circuit de Yas Marina. Accélération sur vibreur, hein, qui n'a pas été forcément très efficace pour le coup. J'en oublie de passer un rapport. C'est des dixièmes qui s'envolent, ça. Pour l'instant, un chrono qui n'améliore pas, hein. Donc je pense que d'aller chercher une meilleure place sur la grille, ça va être compromis. À part si je fais des miracles dans le dernier secteur, ce qui n'est vraiment pas mon fort. Chrono qui est pire que mon tour précédent, et donc vu que j'améliore pas et qu'il reste 1 minute 30 dans la séance, de toute façon ça sera terminé pour moi pour cette séance. Et si ça n'améliore pas, je partirai donc troisième
tour de circuit qui est relativement long. Hein. S'apprécier hein, quand même ce tracé, regardez-moi ce circuit comme il est beau avec ce coucher de soleil, les projecteurs qui commencent à illuminer le circuit pour que les Formule 1 puissent être visibles et que les pilotes puissent y voir quelque chose. La marina ici avec les bateaux qui sont posés à quai. Et ce bâtiment qui est un hôtel, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui est à cheval sur un morceau de la piste. Vraiment très charmant, très très classe ce circuit. Allez, la séance qui se termine et moi je rentre dans les stands. Et donc ça sera la troisième place sur la grille de départ. Donc la grille de départ hein, qui sera donc Nico Rosberg qui partira en pole suivi de Lewis Hamilton. Je partirai troisième aux côtés de mon coéquipier. D'ailleurs on retrouve Valtteri Bottas, Sébastien Vettel, Daniel Ricciardo, Felipe Massa 8e, Jenson Button 9e, excusez-moi, et 10e Nico Hülkenberg. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à dimanche pour la course. En attendant, portez-vous bien et salut à tous.